Bonjour de nouveau. Nous voilà avec l'homme qui doit se connaître, qui doit aller par sa conscience dans son intérieur et y découvrir un univers. Toute l'humanité aujourd'hui passe par ce transfert à travers lequel elle va accéder à un degré supérieur de sa conscience. Et ce n'est pas pour rien que depuis l'époque de Socrate, la phrase qui se trouvait sur le fronton du temple de Delphes, « Connais-toi toi-même », cette phrase est extrêmement actuelle, car depuis Socrate, l'humanité essaye de se connaître, mais toujours à travers l'extérieur. Elle s'éparpille à travers les moustiques, à travers les souris, à travers les lapins, à travers l'analyse des minéraux, à travers l'analyse extérieure de tout ce qui l'entoure, sauf qu'on ne s'arrête pas sur nous-mêmes. Et présentement, grâce au courant nouveau que l'ère du Verseau apporte, l'humanité va se connaître par l'intérieur, dans son intérieur, pour y découvrir sa nature supérieure, pour y découvrir sa nature divine, et pour accomplir des merveilles sur la terre. Malgré nous, ces courants agissent aujourd'hui et, veut ou veut pas, l'humanité sera obligée de changer complètement et nous serons les témoins. Toujours dans le passé, depuis toujours, ont existé des écoles spéciales, à part des écoles officielles qui formaient le système éducatif. Il existait toujours des écoles qui s'appelaient les écoles initiatiques. Le mot même « initiatique » veut dire « aller dedans ».« Aller dedans », »,« iti », ça veut dire « aller », et « in », le préfixe « in » veut dire « dedans ». Alors, c'est un chemin qui nous mène vers la connaissance de notre intérieur, de notre âme, de notre esprit et de tout ce qui nous compose, et ce qui nous compose, c'est un univers. Et à travers les écoles initiatiques du passé, c'était un nombre très restreint de disciples qui étaient préparés à connaître certaines vérités, qui étaient préparés à pénétrer dans des mystères. Alors c'est seulement ces disciples qui passaient à travers les écoles initiatiques. Il y a trois sortes d'écoles initiatiques. La première catégorie, ce sont les écoles de la vérité, où les disciples étudient, où les disciples apprennent d'une certaine façon, par une discipline très dure, par une discipline imposée, et c'est par la volonté que tout se développe. Il y a des exercices très rigoureux à suivre, il y a des travaux à accomplir sur tous les plans, il y a des méditations prolongées, il y a un apprentissage sur tous les plans et les disciples travaillent surtout par la volonté. Mais il n'y en a pas beaucoup qui sont prêts à cette école car vraiment elle est très exigeante. À part des écoles de la volonté, il y a des écoles de la sagesse et surtout les écoles orientales. Ce qui existe encore aujourd'hui, surtout en Orient, ce sont les écoles de la sagesse, où un sage, un gourou, un maître a ses disciples et il travaille sur eux individuellement. Ce qui caractérise ces écoles, c'est que le travail est sur la conscience individuelle. Le disciple se développe individuellement, il accomplit aussi les travaux selon le besoin et selon les exigences du maître. Et le disciple peut recevoir les travaux les plus différents. Par exemple, dans une école qui peut être assez grande, où il y a un très grand nombre de disciples, quelqu'un qui entre pour la première fois, supposé qu'il reçoit le travail d'éplucher les carottes pendant 10 ans. C'était impensable pour un occidental d'imaginer quelque chose de pareil,
mais c'est ainsi. Ou par exemple, le disciple reçoit une seule phrase. Une seule phrase qu'il doit travailler pendant 6 ans, pendant 9 ans, ou selon la nécessité. Et à part de cette phrase, bien, il peut lire certains textes, il peut faire certains exercices, mais le travail essentiel est basé sur la phrase qu'il reçoit. Mais à travers ces écoles, les deux, les écoles de la vérité et les écoles de la sagesse, qui sont surtout les écoles de la sagesse qui sont très nombreuses en Orient, à travers ces écoles, ce qui se développait, c'est la conscience individuelle. Par exemple, dans les écoles de la volonté, à un certain moment, le disciple se décidait d'aller s'enfermer dans une grotte pour 18 ans. Et il recevait 2 fois par semaine une nourriture très monotone, toujours une poignée de blé ou toujours une bouillie de la même sorte, et il recevait de l'eau. C'était tout. Et ce qu'il faisait, il développait sa vision intérieure, puisque extérieurement, il ne pouvait même plus utiliser ses yeux. Alors, il développait sa vision intérieure, il faisait les voyages astraux et il allait apprendre à travers toutes les régions de l'univers. Mais c'était quand même un travail individuel, il n'était pas en contact avec les humains, il n'avait rien d'autre à supporter, sauf se supporter lui-même et supporter toutes ces exigences qu'il s'était imposées lui-même, mais c'était quand même un développement individuel, personnel. Et à part de ces deux genres d'écoles, depuis toujours, ont existé les écoles de l'amour. Ces écoles étaient beaucoup moins nombreuses, car le travail se faisait toujours sur les 3 plans, ça veut dire mental, sentimental et physique, et ce qui était inclus toujours, c'est la volonté et aussi la sagesse. La sagesse, les connaissances, il fallait les apprendre et les pratiquer. Alors les deux autres éléments étaient toujours présents, mais en même temps, ce qui était à la première place, c'est le développement de la conscience collective. Parce que dans une école de l'amour, il fallait nécessairement supporter le type à côté. C'est bien de dire que j'aime l'humanité entière, mais ce qui est le plus difficile, c'est de supporter celui qui est à côté, c'est d'être tolérant, c'est d'être indulgent, c'est de comprendre les autres et de les saisir d'un seul coup, à la fois. Alors, à travers les écoles de l'amour, qui n'étaient pas très nombreuses, parce qu'il n'y avait pas trop de candidats, se développait surtout l'amour qui était complet, car la volonté y était et la sagesse aussi. Il y a 3 000 à 4 000 ans avant Jésus-Christ, au bord de la mer Noire, dans un endroit merveilleux, a existé une école de ce genre où beaucoup, beaucoup d'élèves, même de l'Orient, de l'Occident et de partout, ont passé des longues années et des longues vies dans cette école de l'amour. Et ces écoles de l'amour, comme d'ailleurs 2 autres sortes, sont toujours de l'ordre de Melchizedek. Et ces écoles ne sont pas accessibles à tout le monde. C'est ça qu'il faut savoir, qu'elles ne se trouvent pas à n'importe quel coin de n'importe quelle rue, que ce sont les écoles bien dirigées, bien structurées, et ce n'est pas n'importe qui a l'accès dans ces écoles. Vous allez demander, mais comment s'y rendre? Eh bien, il y a une intuition intérieure, il y a un désir intérieur, et il y a une volonté irrésistible que si nous sommes prédestinés d'arriver à une telle école, tout sera placé devant nous d'une telle façon que nous nous rendrons à cette école. Et comme à cette école au bord de la mer Noire, jadis, par exemple, tous les apôtres, presque tous les apôtres de Jésus ont passé. Et non seulement les 12 apôtres que nous connaissons, car il faut savoir que Jésus avait 3 cercles de disciples. Le premier cercle était composé de 12. Le deuxième cercle était composé de 72.
et le troisième cercle était composé de 500. Alors, parmi ses disciples qui ont poursuivi son travail et qui étaient peut-être qui n'étaient pas nommés dans l'histoire ou même peut-être nommés, mais qu'on ne considère pas nécessairement comme ses disciples, eux ont passé aussi à travers cette école initiatique où ils apprenaient comment renforcer leur aura, comment faire des miracles, comment faire travailler les courants intérieurs de l'âme. Et c'était toujours un apprentissage merveilleux qui était basé sur la connaissance intérieure de l'homme, car tout, absolument tout se trouve dans l'homme, tous les pouvoirs, toutes les possibilités, tout le potentiel de l'esprit y est, sauf que nous ne savons pas l'utiliser. Nous possédons tous les appareils. Nos organes, ce sont des planètes, nos chakras, ce sont des soleils, mais nous n'avons aucune idée de ce potentiel et nous ne savons pas les utiliser et nous sommes encore plongés dans la misère, dans la souffrance et dans tout ce que nous vivons aujourd'hui sans savoir de quelle nature nous sommes et quelles possibilités inouïes se trouvent en nous. Nous allons parler bientôt de nos mains et vous allez voir que nos 10 doigts sont des antennes qui sont liées aux énergies cosmiques de 10 degrés de la conscience universelle et que seulement par nos doigts nous pouvons accomplir tout ce que Jésus accomplissait, ce qu'on dit encore aujourd'hui des miracles. Qu'il y a une écriture extraordinaire qui est dans nos mains, qu'il y a des montagnes, qu'il y a des signes, qu'il y a des croix, qu'il y a des étoiles, qu'il y a des soleils et que tout est inscrit. Il y a d'abord le passé, il y a l'avenir. Il y a des lignes qu'on ne peut plus changer parce qu'elles expriment l'intelligence acquise, les expériences qu'on a faites dans le passé et qui représentent la sagesse aujourd'hui, la ligne du cœur, la ligne de la tête, donc l'intelligence, l'amour, tout ce qu'on a pratiqué est inscrit et même on apprendra les petits détails de ces lignes parce que la ligne est composée de beaucoup d'autres petites lignes et l'homme, à travers sa main, il se connaîtra. Puis sur l'autre main, c'est son avenir qui est écrit. Et vous le savez très bien que dans le passé, quand on ne savait pas signer notre nom, on nous obligeait de mettre l'empreinte de notre pouce. Et on ne connaît pas quelle sorte d'écriture il y en a. Imaginez qu'il y a 4 milliards de pouces sur la Terre, il n'y a pas deux pareils. Ça veut dire que toutes nos expériences du passé, que tout notre bagage qu'on a, et tout notre potentiel, tout notre génie, c'est particulier, c'est varié, c'est multiple, il n'y a pas deux pareils. Seulement, on n'est pas conscient que tout cela est dedans. Nous allons parler de l'œil, par exemple, et vous allez voir que la structure de l'univers est cachée dans l'œil. Nous allons parler des pieds. L'organisme complet est résumé dans les pieds. Et quelle volonté il existe dans les pieds, on ne sait pas encore quelle volonté est cachée dans nos pieds. Imaginez comment les pieds nous transportent, comment les pieds nous permettent de nous déplacer et quel travail merveilleux nos pieds accomplissent. Et nous, on est pleinement inconscient qu'il y a une volonté peut-être qui s'exprime à travers les pieds. Alors, les pieds, bon, on ne les considère pas trop. Mais imaginez la puissance sexuelle. Qu'est-ce qu'on connaît à travers ces glandes mystérieuses qui produisent la vie, et l'homme ne sait pas quoi faire avec, et il va la perdre inutilement n'importe où, au lieu de la diriger vers son cerveau et faire des miracles comme Jésus le faisait. Alors, c'est que nous ne nous connaissons pas. Il existe aujourd'hui une science nouvelle qui s'appelle l'iridologie. Et cette science étudie l'œil, seulement l'iris. Alors, il y a la pupille, qu'on ne connaît pas à quoi elle correspond, il y a l'iris qui contient au complet notre corps. Il y a des points, il y a un tel point qui correspond au foie, il y a un tel point qui correspond au genou, il y a un autre point qui correspond à l'estomac. Au complet, nous y sommes parce que l'iris, c'est un soleil. Alors, comme il y a tout sur le soleil, ben, il y a tout dans notre œil, dans notre iris, qui est une miniature de soleil. Mais on a d'autres soleils. Le plexus solaire, c'est un soleil merveilleux
qui est capable de tout régénérer, de tout ressusciter, de tout guérir. Et puis nous, on se dirige vers les médecins, vers les guérisseurs, vers tous les moyens extérieurs, sauf de se diriger vers cette pharmacie unique, unique dans l'univers où tout est déposé. En dose homéopathique, quand on va apprendre la bonne mesure, qui est la sagesse, à travers cette bonne mesure, bien, on va être automatiquement en harmonie avec les lois universelles. On va tout mesurer, tout est déposé dans notre plexus et on pourra tout puiser à l'infini, mais à la condition de cette bonne mesure qui sont les doses homéopathiques. Aujourd'hui, nous nous lançons dans les doses allopathiques et on est gavé de tout et on est malade de tout parce qu'on n'a pas la bonne mesure, on n'a pas la sagesse. Voilà. Et où on apprenait toutes ces choses? On les apprenait dans les écoles initiatiques. Et bientôt, la Terre entière va devenir une école divine où nos enfants vont apprendre des merveilles dont on n'a aucune idée. Ils vont apprendre comment faire un geste pour ne pas brusquer les êtres qui sont là auprès de nous et qui viennent nous aider. Ils vont apprendre à lire leurs mains. Ils vont apprendre à se regarder dans les yeux et à se découvrir à travers les yeux. Car les yeux sont liés à la vérité et ils ne nous trompent jamais. Mais on ne sait pas trop comment voir parce qu'on ne projette pas encore la vraie lumière qui nous éclaire. Et on va l'apprendre à la projeter parce que cette vraie lumière existe dans ce qui est appelé aujourd'hui le troisième œil. Alors on va apprendre comment travailler, comment utiliser. C'est comme si vous donnez votre voiture à quelqu'un et puis il commence à se diriger sur la route, mais il ne sait pas qu'il faut allumer les phares. Alors, l'humanité d'aujourd'hui est comparable à ce chauffeur qui ne sait pas comment manipuler avec sa voiture et il ne peut se déplacer nulle part. Parce que la route ne sera pas éclairée, le moteur ne va pas fonctionner, rien ne marchera et pourtant tout est là. Alors, nous sommes un peu semblable à un tel cas, parce que tout est là, mais nous ne savons pas quoi faire. On a une lumière, mais une lumière universelle, juste là, entre nos deux yeux, qui forme avec nos yeux physiques un triangle. Alors, de projeter cette lumière de l'âme qui est toujours en nous, mais on ne sait pas quoi faire, on ne sait même pas qu'elle est là. Alors, comment voulez-vous qu'on voit clair? Comment voulez-vous qu'on voit des choses telles qu'elles sont et qu'on vit quelque chose de merveilleux, qu'on soit des citoyens de l'univers? C'est encore impossible car nous sommes pleinement inconscients de cela. Et aujourd'hui, pour la première fois dans notre histoire, les connaissances des écoles initiatiques, les connaissances qui étaient cachées, comme on cache certaines choses à nos enfants, on ne leur dévoile pas jusqu'à ce qu'il ait un âge suffisant pour pouvoir comprendre. Alors, une certaine partie de l'humanité, pas encore tous, une certaine partie, une élite de l'humanité est prête aujourd'hui à comprendre certaines choses. Et c'est pour ça qu'on en parle même à la télévision, qu'on en parle à la radio, qu'il y a des conférences, des symposiums, des congrès et même des écoles initiatiques qui sont ouvertes à un nombre beaucoup plus grand des êtres humains qui sont prêtes à étudier, qui sont prêtes à se connaître et qui sont prêtes à se comporter comme un homme et non comme des animaux. Et tous ceux qui sont prêts, bien, tout leur sera donné, tout leur sera dévoilé et ils deviendront ce qui est devenu Jésus quand il a reçu le principe christique en lui. Nous allons devenir des fils et des filles divins. Et ce n'est pas loin, c'est juste de vouloir, parce qu'il y a beaucoup d'aide, il y a beaucoup de guides qui sont prêts à nous aider, mais on n'est pas tellement intéressé, on doute, et puis on critique, et puis notre avis, c'est pas tout à fait ça, puis notre opinion, elle est toujours différente de ce qu'on nous expose. Eh bien, on nous laisse libres, et nous serons les témoins. Qu'est-ce qu'il va arriver et comment ça va se passer sur la Terre présentement? Alors, jadis, nous nous sommes dit
que les initiations se sont passées dans les écoles initiatiques qui étaient hermétiques, qui étaient fermées, qui étaient cachées, car ces connaissances n'étaient pas encore accessibles à la masse, à la foule. Les connaissances sont comparables avec un remède d'une puissance, et on ne laisse pas les enfants toucher au remède. On cache les remèdes aux enfants parce que les enfants ne connaissent pas le dosage, les enfants ne savent pas comment l'utiliser, et c'est un peu la même chose avec les humains qui ont l'accès aux connaissances sans être mûrs. Ça veut dire qu'ils peuvent se faire du mal, qu'ils peuvent se détruire, ce qui est arrivé à l'époque atlantéenne. Les Atlantéens, par leur clairvoyance nocturne, ils recevaient les messages. Ils captaient les messages pendant la nuit dans leurs rêves. Et le jour, ils pouvaient réaliser ces messages. Ils pouvaient faire des bâtisses. Ils pouvaient faire des expériences dans les laboratoires d'une beauté inimaginable. Mais comme ils n'étaient pas mûrs dans leur vertu, comme moralement, ils n'étaient pas suffisamment matures. Alors, à cause de cette immaturité, à cause d'une certaine ignorance et à cause qu'ils n'étaient pas peut-être suffisamment éclairés le jour, ils utilisaient les connaissances divines pour les buts personnels, pour s'enrichir, pour embobiner les autres, pour ruser les autres. Et à cause de ça, ils ont amené l'Atlantide vers la destruction totale, complète. Elle a disparu de la surface de la Terre. Et aujourd'hui, nous sommes les témoins de quelque chose de semblable qui se passe sur la Terre tout au long de notre siècle. Et non seulement de notre siècle, mais déjà auparavant, toutes nos guerres, ce n'était que cela, mais surtout notre siècle. Il est plein de faits destructifs, de faits décadents qui mènent l'humanité vers une disparition. Mais aujourd'hui, on ne nous permettra pas de disparaître au complet, car la Terre est allée si loin dans son déséquilibre qu'elle a provoqué un danger dans le système solaire. Et il y a d'autres êtres qui veillent sur l'ordre et sur l'harmonie dans le système solaire, et ils ne permettront pas aux humains de déséquilibrer au complet le système solaire. Même si 3/4 de l'humanité vont disparaître, ça ne fait rien, mais l'équilibre sera installé sur la Terre. Et il sera installé par qui? D'abord par les disciples des écoles initiatiques qui connaissent les lois universelles et qui peuvent travailler en harmonie avec ces lois. Il n'y en a pas beaucoup à connaître. On a mentionné quelques-unes: la loi de la réincarnation, la loi du karma, la loi de l'économie universelle et quelques autres lois. C'est pas nombreux, mais c'est juste de les connaître, de les accepter, de les prendre et de les réaliser. Et c'est cette partie de l'humanité qui entre aujourd'hui dans la spiritualité, qui se lie à l'électricité cosmique, qui est une lumière divine. C'est seulement cette partie de l'humanité, appelée les disciples, qui savent se discipliner au lieu de se dissiper, qui savent construire au lieu de détruire. C'est eux qui vont tout rétablir avec l'aide, bien sûr, des grands guides de l'humanité, des grands instructeurs de l'humanité, et que voilà, tout va être de nouveau correct, bien, comme il faut. Nous en avons déjà parlé, qu'il y a 3 courants très puissants aujourd'hui qui se manifestent sur la Terre. Il y a le premier courant qui va établir l'ordre partout. Il y a un désordre dans notre corps qui provoque la maladie, qui provoque le déséquilibre. Il y a un désordre à l'extérieur, partout dans tous les pays, nous ne trouvons qu'un désordre. Et ce courant va nous amener d'abord d'installer l'ordre en nous-mêmes et par la suite l'ordre à l'extérieur. Et ça va s'appeler le contraire de l'anarchie, c'est la synarchie. Le contraire de la maladie, c'est la santé. Le contraire de l'impureté, c'est la pureté. Alors,
cet ordre va être installé sur tous les niveaux, sur tous les plans, partout, partout, dans la vie sociale, dans la vie économique, dans la vie conjugale, dans la vie des enfants, partout, partout. Et c'est le courant du Père qui va le faire. Le deuxième courant qui va amener un changement complet dans notre vie intérieure, c'est le courant du Christ. C'est la deuxième venue du Christ qui va provoquer. D'abord, nous, on va se préparer. Tous ces disciples qui travaillent sur la connaissance intérieure de leur corps, de leur harmonie intérieure, de leur paix, ils apprendront comment préparer le corps éthérique qui entoure et qui entrepénètre le corps physique, comment préparer ce corps qui était appelé dans le passé la coupe du Graal. C'est vraiment une coupe, c'est un récipient qui va recevoir un principe cosmique de l'amour, qui est appelé Christ. Et c'est ce deuxième courant qui travaille sur nous sans cesse, et malgré nous, ceux qui sont prêts, ils vont se préparer, et ceux qui ne sont pas prêts, ils seront éliminés. Ils seront broyés, pulvérisés, complètement éloignés de la Terre. Et le troisième courant qui travaille sur nous, c'est le courant. Les orientaux appellent le Saint-Esprit Dieu de l'action. Alors, nous sommes tous en action, mais quelle action? Quel est le but de notre action? Si le but divin est disparu de notre action, notre action est guidée par le courant descendant et elle va aboutir absolument, inévitablement à la mort. Et c'est pour ça que nous mourons, parce que nous sommes tous dans le courant descendant où la vie se décompose. Il y a deux courants de la vie, le courant descendant et le courant ascendant. Alors ce Dieu de l'action, qui est le Saint-Esprit, dont son intérêt, c'est d'amener tout le monde vers la lumière, pour que le but de nos actions soit lumière, pour que le but soit noble, pour que le but soit divin, éternel. Parce que ce but, si nous nous le mettons, si nous nous le donnons, un but valable, éternel, collectif, fraternel, un but d'amour, c'est qu'il nous ressuscite. Il amène la vie dans nos cellules. Au lieu de les crisper, ça dilate nos cellules et nos cellules sont remplies de lumière. Et la première manifestation que notre but est correct, que nos actions sont correctes, c'est une joie ininterrompu. Et personne au monde ne pourra vous convaincre que ce n'est pas vrai, que ce n'est pas ainsi. Vous serez sûr et certain, comme si vous êtes sûr et certain quand vous avez faim ou quand vous avez soif, même si la terre entière vous dit que ce n'est pas vrai, vous le sentez, vous le vivez. Et nous allons vivre cette joie intérieure qu'il n'y aura rien au monde pour nous bouleverser, pour nous mettre en dehors de nous-mêmes. Il n'y aura rien qui pourra nous déranger car nous serons constamment liés à cette lumière qui va circuler et ça va être un mouvement perpétuel, une vie immortelle, une vie éternelle, appelez-la comme vous voulez, mais c'est la puissance de Saint-Esprit qui se manifestera à travers nous. Mais qu'est-ce qu'il va nous lier à ça? C'est notre but, c'est le but de nos actions et les hommes apprendront à mettre un but valable, un but divin, un but durable à la moindre action, au moindre geste. Tandis qu'aujourd'hui, c'est un but infernal. C'est un but de créer des horreurs et de nourrir les humains et de les ruser et de s'enrichir sur les humains qui sont stupides et qui payent pour toutes ces abominations que le cerveau humain est arrivé aujourd'hui à créer. Et ce qui n'existe pas dans ces productions d'aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de lumière. Et c'est ça qui crée dans nos cellules une angoisse, c'est ça qui crée une confusion, c'est ça qui crée un déséquilibre et que voilà, on se dirige pas près partout, on cherche les remèdes partout et on ne les trouve nulle part parce qu'ils sont dedans, dans notre propre lumière qui va se manifester par l'aura, qui va se manifester par le sourire, qui va se manifester par la joie ininterrompue parce que l'âme est dedans. Et si nous lui donnons la vie,
si nous lui permettons à respirer, si nous lui permettons à se manifester, dans le sens de se manifester, eh bien, c'est la première preuve tangible que nous sommes corrects, que nous sommes sur la bonne voie, que notre but est clair, c'est la joie ininterrompue. Ce n'est pas la joie d'un ivrogne qui va être joyeux quand il prend son verre et le lendemain matin, il est complètement débalancé, il est malade, il ne peut plus continuer rien. Ce n'est pas cette joie d'un ivrogne. Ce n'est pas cette joie de celui qui a gagné 1 million au casino et que le lendemain, il doit quitter sa famille et que tout est à l'envers et qu'il a des remords de sa conscience et qu'il doit s'isoler dans un désert. Ce n'est pas cette joie de 2 heures. D'une heure, d'une journée, c'est une joie qui n'arrête plus jamais. Et sur un autre plan, dans nos sentiments, cette joie de nos cellules, c'est nos cellules qui sont joyeuses et cette joie sort de nous à travers nos vibrations. Et par la suite, ça se manifeste par les émanations de nos sentiments. Notre corps sentimental vit dans une paix, dans un calme, même s'il y a un vacarme épouvantable autour. Même si tout est à l'envers autour, nous sommes capables de travailler sans cesse, nous sommes infatigables, nous sommes pleins de cette joie et de cet enthousiasme, mais surtout, ce qu'on ressent dans nos cellules, c'est une paix. Il n'y a pas de mots pour la décrire, mais c'est une paix ininterrompue. Vous pouvez aller jusqu'au bout du monde. Vous pouvez trouver tout ce que vous voulez avec cette paix qui est une patience, qui est une joie, qui est une tolérance, qui est une douceur, qui contient toutes les autres qualités. C'est complet. Et qu'est-ce que ça donne sur un autre plan? Sur le plan de la pensée, c'est une joie encore plus intense qui peut-être s'exprimer par un contentement sans cesse, par un contentement qui résonne dans l'univers comme une musique. Parce que notre pensée est de nature musicale. Quand notre pensée n'est pas juste, elle est fausse. Et quand nous faussons, cette fausseté s'exprime dans nos cellules. À travers nos cellules, il y a des émanations et des vibrations, pas dérangées, mais déformées, qui sortent et ça fait mal à nos cellules. Et c'est ça les maladies. Et c'est ça se sentir mal dans notre peau. C'est que notre pensée n'a pas un but élevé. Notre pensée a un but qui ne nous amène nulle part que seulement vers la mort. Et nos cellules le ressentent et elles sont mal et nous sommes mal dans notre peau. Alors une pensée juste, le but élevé, le but correct de nos actions, bien c'est une musique, c'est une justesse et une justice dans notre pensée, une justice musicale, pas la justice dans le sens que nous connaissons, mais c'est une musique qui s'exprime par la suite, par nos cellules. Et puis voilà, on vit dans cette musique et on peut émerveiller les autres. On devient une source vivante pour tout le monde. Les autres viennent demander nos conseils. Les autres viennent se reposer auprès de nous. Les autres viennent demander comment faire, quoi faire, parce qu'ils reçoivent quelque chose de nous. Ils reçoivent cette musique qui les harmonise, qui les nourrit, qui les arrange, qui les soigne. Et comme ça, un saint, un initié, un maître, ben, il est toujours recherché partout. Par ceux qui ressentent, pas par des abrutis, pas par des brutes, qui n'ont aucune sensibilité dans leur peau, dans leurs émanations. Et puis, ils vont s'arrêter sur un criminel plutôt que sur un saint ou sur un initié. Parce que leur sensibilité est au niveau des criminels et non au niveau des initiés. Alors, c'est dans nos propres cellules que tout s'exprime. Et c'est dans une école initiatique qu'on apprend comment installer dans nos cellules cette musique. Ça veut dire avoir un idéal, avoir une pensée qui nous élève sans cesse et qui nous lie sans cesse à la lumière de l'esprit.
et ça va se manifester dans ma propre cellule comme cette musique. Peut-être on ne l'entendra pas par notre oreille, mais chaque cellule a ses oreilles. Et chaque cellule entendra cette musique et nous serons tellement bien partout que même si on nous place dans l'enfer, on est bien pareil. Ils ne pourront même pas nous supporter. Vous connaissez peut-être l'histoire de Salomon, qui était un roi extraordinaire, qui nous a laissé les cantiques des cantiques. Et Salomon est allé une fois dans l'enfer. Comme il voulait voir partout, alors il est allé dans l'enfer. Et il observait, il regardait, et puis il avait un mètre avec lui, une mesure. Et il commence à mesurer. Il commence à prendre ses mesures. Alors on lui demande, le chef des diables, lui demande, mais qu'est-ce que tu fais ici, le roi? Oh, il dit, je prends mes mesures. Et qu'est-ce que tu veux faire avec tes mesures? Je veux bâtir un temple. Et là, le conseil des diables s'est réuni immédiatement et ils ont décidé de chasser Salomon de l'enfer parce qu'il les dérangeait. Vous vous rendez compte de bâtir un temple dans l'enfer? Alors, ils ne peuvent pas supporter la bonne mesure. Ils ne peuvent pas supporter la sagesse, parce que c'était le roi de la sagesse. Ça ne va pas avec eux. Alors, ils ne nous supporteront pas, même si on est envoyé là. Et voilà, ça va être indispensable pour toute notre direction future de penser qu'il y a un lien à faire avec la lumière. La lumière de Saint-Esprit, du Père, du Christ, vous prenez une lumière quelconque, c'est toujours de la même source. Et cette lumière va relier notre pensée à une source éternelle qui ne nous permettra pas de subir les influences du courant décadent, du courant descendant. Et comment le faire? Comment se lier à cette électricité cosmique? Nous avons dans notre corps un nerf concret que la science va découvrir. Et ce nerf mène du cœur dans le cerveau et à travers le chakra aux 1000 pétales, qu'on en a peut-être parlé, dont on a peut-être parlé déjà, le chakra aux 1000 pétales, qu'ici vous voyez comme un halo, ici vous le voyez autour de notre tête, tandis que sur l'image suivante, vous le verrez un peu comme une fleur qui est au-dessus de notre tête. Le chakra à 1000 pétales, comme un lotus doré, c'est à travers ce chakra que ce nerf qui existe en nous nous relie à l'électricité cosmique. Et cette électricité cosmique, ce n'est rien d'autre que la lumière divine qui ne nous permet pas de péricliter, qui ne nous permet pas de se lier au courant descendant et qui nous tire toujours vers le haut et qui nous tire vers le haut et que voilà, on ressuscite par la reconnaissance, par la confiance, par l'indulgence, par beaucoup d'autres qualités. On se régénère nous-mêmes parce qu'on introduit dans nos cellules un rythme. Et ce rythme est musical, et ce rythme musical provient de la lumière, de l'âme évidemment, de l'âme universelle. Et quand ce rythme musical est dans nos cellules, c'est que nous sommes infiniment bien dans notre peau. Et nous sommes une source vivante, un exemple vivant pour tout le monde. On a déjà mentionné Mère Teresa. Comment se fait-il que la Terre entière, la Terre, le côté positif de la Terre, de l'humanité, s'émerveille d'elle? Comment se fait-il que Padre Pio a pu émerveiller des milliers d'êtres, non seulement des chrétiens, mais il y a aux Indes, il y a en Afrique, il y a partout dans le monde, ceux qui reconnaissaient la valeur de l'esprit, il était émerveillé par cet être qui, partout où il marchait, partout où il guérissait, partout où il allait, même s'il possédait sur ses mains des stigmates, même s'il saignait, mais c'était pour quelque chose. Alors, comme ces saints de notre siècle, mais pourquoi pas nous? Pas nécessairement de s'enfermer quelque part dans un cloître, mais projeter la lumière, émerveiller les humains et devenir une source vivante. Et c'est cette source vivante, c'est ces êtres qui émanent, c'est ces êtres qui
irradie la lumière, c'est ça qui manque aujourd'hui aux humains. Vous prenez la jeunesse, vous prenez les enfants, vous prenez le cinéma, vous prenez la sexualité, vous prenez n'importe quelle branche de la vie, et ce qui manque, c'est un idéal. C'est les êtres qui irradient la lumière, qui projettent la lumière et qui vont tirer les autres vers le haut. Vous allez trouver les jeunes dans les drogues, vous allez trouver les enfants dans la rue, dans la sexualité à 10 ans, vous allez trouver les adultes dans les bars et dans les discothèques, au lieu de se préoccuper, mais qu'est-ce qu'il y a de meilleur? Qu'est-ce qu'il y a de mieux en nous? Mais peut-être quelque chose a été déjà déposé. Alors seulement quand on se pose la première question, mais d'où je suis? Où est-ce que je me dirige? Et pourquoi je suis venue sur la Terre? Mais ces questions, inévitablement, vont mener l'humanité vers une vie divine, tout simplement. Parce qu'il n'y a pas, d'autre chose qu'il y a une vie infernale qu'on mène aujourd'hui et il y a une vie divine. Et dans la même vie, nous, dans le même corps, les mêmes êtres peuvent accomplir des merveilles, peuvent quitter ce passé qui les étouffe et entrer dans quelque chose de merveilleux. Et où on va apprendre comment se diriger et quoi faire? Eh bien, on va l'apprendre dans les écoles initiatiques. Mais il ne faut pas maintenant s'asseoir et rêver que voilà, je veux entrer dans une école initiatique. Si nous sommes prédestinés à entrer dans une école initiatique, on y entrera. Mais dans les écoles initiatiques, on va préparer les instructeurs et les éducateurs de la race humaine, de la masse. Tout le monde ne pourra jamais entrer dans les écoles initiatiques parce qu'il n'y en a pas de place. Jusqu'à ce qu'on va se comporter d'une telle façon que la Terre entière sera une école. Elle est d'ailleurs déjà, mais on ne le sait pas. Alors, dans les écoles initiatiques se préparent des instructeurs qui transmettent des connaissances et des éducateurs qui éduquent les humains. Quelle est la différence entre les deux? C'est qu'un instructeur peut posséder les connaissances et il n'est pas nécessairement d'une école de l'amour. Un magicien noir est un instructeur aussi parce qu'il possède les connaissances. Mais un éducateur vit la lumière. Il est une source vivante d'émerveillement, d'harmonie, de joie, de la lumière pour tout le monde. Alors, c'est ces exemples vivants qui éduquent par leurs gestes, qui éduquent par leurs regards, qui éduquent par leurs propres manifestations. C'est les éducateurs qui manquent aujourd'hui. Nous nommons, nous disons, le système de l'éducation. Nous n'avons pas aujourd'hui le système de l'éducation, nous avons le système d'instruction, c'est tout. Et même nos instructions sont tellement limitées que c'est vraiment pas digne de la cinquième race. Mais nous allons avoir bientôt les éducateurs, les vrais, qui vont enflammer les cœurs, qui vont enflammer les cerveaux, et que voilà, il y aura toute une génération qui bâtira sur la terre, d'ici une quinzaine d'années, le royaume de Dieu sur la terre. Les humains, par leurs mains, le feront. Alors, on peut rêver d'entrer dans une école initiatique si on s'est préparé déjà dans les vies passées ou si on a montré dans cette vie suffisamment de volonté, suffisamment de sagesse et suffisamment d'amour pour être accepté dans une telle école. Mais si on ne s'est pas préparé, eh bien, nous allons rester avec la masse, avec la foule. Mais les portes de la connaissance divine sont ouvertes pour tous. Et comment le faire? C'est par notre comportement quotidien, en ayant la conscience éveillée, que par le moindre geste, que par la moindre manifestation, nous sommes capables de tout améliorer, ou de tout empirer. Et quand nous serons conscients de deux lois qu'on a mentionnées, la loi de la réincarnation, qui est la loi de la vie,
Et la loi du karma, qui est la loi de l'action qu'on provoque et que cette action nous apporte les fruits, la récolte, seulement ces deux lois sont capables de changer l'humanité. Parce qu'elle va se comporter d'une façon digne, elle va se comporter d'une façon noble et elle va de plus en plus entrer dans la vie universelle, dans la vie cosmique. Et nous passons aujourd'hui, nous tous, sans exception, les méchants et les bons, nous passons les initiations dans la vie quotidienne. Jadis, seuls les disciples le passaient dans les initiations, dans les pyramides, dans les temples, dans les cavernes, dans les grottes. Mais aujourd'hui, l'examen se trouve dans le quotidien et la masse le passe. Toute la terre passe par l'examen. Et vous savez quand est-ce que c'était le premier examen pour l'humanité dans ce siècle? C'était la Première Guerre mondiale. On nous a offert de passer un examen par les moyens pacifiques, de ne plus utiliser l'épée, de ne plus utiliser la violence, de ne plus utiliser l'agressivité, et on a raté l'examen. Et on nous a offert la deuxième fois de passer l'examen, de résoudre nos problèmes, de payer nos dettes, de régler nos affaires par les moyens pacifiques. Et nous, on a de nouveau déclenché la Deuxième Guerre mondiale et on a de nouveau raté l'examen. Et nous sommes au seuil de passer l'examen la troisième fois. Et comment nous allons le passer? Eh bien, nous en serons tous les témoins. Et la même chose qui se passe au niveau de l'humanité, au niveau des guerres mondiales, déjà presque la troisième fois dans notre siècle, observez votre journée et vous allez trouver qu'il y a des journées où vous êtes en guerre intérieure, qu'il y a votre cœur qui se tiraille avec votre cerveau, mais d'une façon que vous n'en pouvez plus, vous êtes complètement terrassé par un combat intérieur. Et vous l'extériorisez envers votre épouse, ou envers votre époux, ou envers votre belle-mère, ou envers votre directeur ou boss, mais ce n'est pas eux qui sont en cause. C'est notre guerre intérieure qui s'extériorise. Et c'est la guerre intérieure entre les sentiments humains, entre le cœur humain, qui a une sagesse, qui diffuse l'amour. C'est le cœur qui veut nous amener vers le bon chemin. Et c'est le cerveau qui sert aujourd'hui les esprits lucifériens. C'est le cerveau qui nous amène toujours à côté et qui nous mène toujours vers l'erreur. Parce que le cerveau est jeune, comme on en a parlé déjà. C'est un jeune étudiant qui se prend pour le directeur. Il va devenir plus tard s'il montre sa sagesse. Mais pour l'instant, notre intellect a raté sa mission. Notre intellect ne nous a pas amenés vers la connaissance de l'âme qui s'exprime par la douceur du cœur. Notre intellect nous mène vers la paresse, vers la lâcheté, tandis que le cœur ne lâche jamais. Au contraire, nous introduisons des combustibles insupportables et nous lui faisons les crises cardiaques au lieu de le libérer de toutes sortes de déchets, de toutes sortes de poisons pour qu'il puisse battre pour l'âme. Parce que le cœur est l'appareil de l'âme. Et si nous regardons l'humanité aujourd'hui, comment elle se comporte, elle ne se comporte pas comme le cœur. Elle arrête de travailler n'importe quand ça lui semble bon. Elle arrête de faire cela ou cela pour n'importe quelle raison qui n'est pas une bonne raison. Est-ce que le cœur arrête de travailler? Est-ce qu'il dit, bon, écoutez, je me mets en grève pour 2 semaines, excusez-moi, j'arrête de battre. Et qu'est-ce que l'organisme fera? Qu'est-ce que l'âme fera? Qu'est-ce que l'esprit fera? Qu'est-ce que les anges feront qui attendent de nous des fruits? Eh bien, ça ne se fait pas dans notre organisme qui est un univers. Il n'y a jamais d'arrêt. Est-ce que les poumons refusent de respirer? Ils refusent quand on a introduit trop d'impuretés mentales et quand on a créé une maladie des poumons. Parce que les poumons sont liés au mental, comme le cœur est lié au sentiment. Alors voyez comment l'homme doit s'observer et s'étudier et voir d'abord pourquoi c'est ainsi et pourquoi la sagesse divine
a fait les choses ainsi et nous voulons les corriger. Est-ce que nous avons le droit de les corriger? Alors, c'est en apprenant de s'observer, en s'étudiant, en se connaissant, que l'on va commencer à se comporter comme un homme et non comme un animal qui vit dans un corps humain. Parce que nous nous sommes dit déjà que l'humanité est dirigée, régie, jusqu'à par-dessus de la tête, par la loi animale qui est la violence et qui n'a plus de place en nous depuis que nous avons commencé à marcher verticalement. On n'est plus semblable aux animaux. D'accord, c'est nos frères plus jeunes. Mais leur travail est différent. Leur loi est différente de la nôtre. Alors pourquoi nous continuons à nous comporter comme les animaux? Même si ce n'est plus la même loi qui doit nous régir. Ben, c'est la loi de l'amour, c'est la loi du cœur. Et nous, nous nous comportons exactement comme les animaux, seulement qu'on a branché l'intelligence cosmique nous a permis de nous brancher à l'électricité cosmique, ça fait déjà bien longtemps, et nous on a refusé. Et on ne se branche pas, et on vit dans l'obscurité, et on vit dans l'animalité, et observez bien comment est le degré de tout aujourd'hui. Vous croyez que nous sommes dans la surabondance des aliments. Mais comment ces aliments sont faits? La science, est-ce qu'elle le sait? Elle sait produire les produits chimiques. Elle sait produire tout ce qui est artificiel, antinaturel. Et qu'est-ce que ça produit dans les aliments? Ça introduit les matières opaques qui sont le contraire de la lumière vivante. Et même si nous sommes couverts de tas d'aliments, la qualité de ces aliments, bien, elle n'est peut-être pas tout à fait nulle, mais elle n'est pas grande, cette qualité. Il y a des équipes d'ingénieurs, des spécialistes à travers le monde qui étudient ces questions et qui ont découvert des radiations vivantes des aliments. Et ça dépend de l'énergie solaire et ça dépend de la santé du sol. Mais quand le sol est sain, nous introduisons la maladie et des poisons dedans. Et après, on se nourrit par ces aliments et on se croit qu'on est dans la surabondance parce qu'on s'est nourri de quelque chose de mort. Alors, il y a énormément, énormément d'apprendre. C'est vrai, la science a fait des découvertes magnifiques. Seulement, ces découvertes étaient dirigées vers la destruction de l'homme. Ces découvertes étaient dirigées vers la destruction des cellules humaines, terrestres et toutes les cellules vivantes. La bombe atomique, la désintégration de l'atome, bien, c'était la découverte non seulement du siècle, mais de toute notre histoire. Mais qu'est-ce qu'on a fait avec cette désintégration de l'atome? On l'a utilisé pour désagréger les têtes humaines, les êtres humains, des milliers, des millions d'êtres humains par une seule bombe. Mais si on continue à transgresser ainsi les lois, eh bien, c'est pas étonnant que nous avons provoqué tout ce qui va arriver. Et comment maintenant remédier? C'est en apprenant les vérités qui nous sont transmises par les écoles initiatiques. Et c'est pas nécessaire d'y accéder. Ce n'est pas nécessaire d'y être, mais de se comporter dans notre vie quotidienne comme des humains et non comme des animaux. D'introduire dans notre corps la lumière vivante et non des poisons. On en parlera bientôt des aliments, on en parlera comment on se comporte, comment on se nourrit. On ne sait pas s'asseoir. On met les pieds sur la table. Mais la table, c'est quoi? C'est l'autel. C'est le pain et le vin qui doivent être là. C'est l'amour et la sagesse seulement qui doivent être sur la table et rien d'autre. Vous allez dire, le stylo, c'est la sagesse. C'est pour exprimer la parole divine, pas pour tuer, pas pour écrire une parole pour tuer, mais une parole qui guérit. Les fleurs, c'est le symbole de l'amour. Alors, la table, c'est quelque chose de sacré et nous allons apprendre une attitude sacrée envers tout. C'est la première condition pour accéder plus tard à une école initiatique, c'est d'avoir une attitude sacrée envers tout.
de respecter tout avant de commencer l'aimer. Et de cette façon, nous allons passer dans notre vie quotidienne toutes nos initiations. Nous acceptons ce qui arrive et nous avons une attitude sacrée envers ce qui nous arrive. Alors, l'école initiatique aujourd'hui est partout. Tout ce qui nous arrive dans la journée, c'est une initiation, mais comment faire devant ce qui nous arrive? L'accepter, le prendre, faire une alchimie spirituelle avec, le transformer et se comporter dignement à travers cette alchimie spirituelle, respecter, aimer, et nous faisons une transformation et une élévation inimaginables. Alors, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne semaine et à la prochaine.